Pošto su boravili jedno vreme na ostrvu Friul ispred Marseja, srpski đaci su se zatim iskrcali u Marsejskoj luci, boravili jedno vreme u luci, da bi zatim sa ovoga mesta bili upućeni u razne krajeve Francuske. Železnička stanica je bila mesto sa koga su, dakle, srpski đaci odlazili po celoj Francuskoj, najčešće u Pariz, odnosno okolinu Pariza, a zatim i u udaljene delove Francuske. Imamo podatke da su oni boravili i u malim mestima na severu Francuske, znači na potpuno drugoj strani u odnosu na ovu stranu gde se ja sada nalazim, u Normandiji na obalama La Manša. Oni su takođe slati i u Alpe, naročito u srpsku školu u Vorepu, gde je boravio i moj deda, a zatim i na zapadnu stranu ka Atlantiku, gde je takođe bilo veoma mnogo srpskih đaka i institucija. Oni su slati u te delove posle dogovora francuskih vlasti, najčešće je o tome odlučivao upravnik oblasti, zajedno u dogovoru sa srpskim vlastima. Te 1916. i 17. godine bilo je veoma teško prevesti se na odredište. Prevoz je vršen sa ovakvih železničkih stanica vozom. Međutim, prednost u prevozu imali su vojnici, imale su trupe i zato su civili, među njima i srpski đaci i studenti, često čekali danima da se ukrcaju na te vozove. Ova železnička stanica je bila prepuna raznih trupa, civila, izbeglica koje su danima i danima u neizvesnosti očekivale da budu organizovane i prevezene na odredišta. Jedno od odredišta naših ratnih đaka na njihovom putu kroz Francusku bio je gradić Monton. Evo, ja sam stigao u Menton, francusko pogranično mesto na granici sa Italijom, koje je veoma značajno za istoriju srpskih đaka. Naime, u Mentonu se nalazio čitav jedan sistem sanatorijuma, negde se čak pominje pet zgrada, koje je srpska vlada organizovala da bi se na tim mestima lečili srpski đaci. Menton je bio jedno tužno odredište srpskih đaka, zato što je, nažalost, tu veliki broj njih i već i to ostao. Ja bi trebalo sad da se nađem sa jednim istoričarem u Mentonu, koji je obradio taj period i tu tragičnu sudbinu srpskih đaka i on bi trebalo da mi pokaže gde se nalaze ta groblja i te zgrade gde su bile srpske bolnice. Bonjour, monsieur. Dobar dan. Bonjour, dobar dan. Vous parlez très bien le serbe, apparemment. C'est le seul mot que j'ai appris hier soir pour vous accueillir. Enchanté, monsieur, enchanté. Je suis Stanislav Sretenović, historien de Belgrade. Et on m'a beaucoup parlé de vous. Apparemment, vous avez découvert tout ce qui touche le passage des Serbes à Menton. En 1986, j'ai écrit le premier livre sur la guerre de 14 à Menton. Et dans mes recherches, j'ai trouvé
les tirailleurs sénégalais. Et oui. puis j'ai trouvé une petite facette qui concernait les Serbes. Oui. D'accord. Je ne faisais pas la différence pour moi. Il y avait les militaires, il y avait des civils, il y avait des étudiants, il y avait des orphelins. Le premier, celui où il y avait l'unité, la direction générale, oui. elle est ici. D'accord. C'est cette maison-là. Ah oui. Et la deuxième maison qui est un peu plus loin. Donc oui, voilà, d'accord. ces deux villas, là, s'étaient regroupées sous le nom de Villa des Rigaudi, qui appartenaient à des Allemands, oui, et qui avaient oui. été mis sous séquestre, oui. et qui avaient été données au gouvernement serbe pour accueillir les étudiants qui étaient venus de Beaulieu. Ah, d'accord. Et ils sont dans l'État. Ah là, ils sont dans leur jus. De cette époque. Ils sont dans leur jus. Ah, d'accord. Alors, oui. Il faut se rappeler qu'ici, nous sommes sur le chemin de fer, la ligne de chemin de fer, ouais. qui relie la France à l'Italie. À l'Italie, oui. Alors, il faut bien s'imaginer que ce quartier était peu peuplé, ouais. mais que les Serbes, ils étaient quand même un certain nombre, ouais. et de là, ils descendaient dans la ville. Ah, donc, oui. c'est un lieu de vie ici ouais. particulier. D'accord. Nous allons voir d'autres endroits, oui. mais celui-là, c'est vraiment le cœur de la direction générale. D'accord. Et si vous avez un parent, d'après oui, ce que j'ai oui, compris, oui. il a ben forcément... Je vais vous parler de mon histoire familiale. D'accord. Eh bien, lui, forcément, est passé par une de ces deux villas. Là-bas, c'est l'Italie. Hein, oui. Nous sommes d'accord. Et nous avons... juste à la frontière. Oui. Nous avons une crête avec des pins. Oui. Et c'est là qu'ont été enterrés 24 Serbes qui sont morts à Menton, soit des étudiants, oui. soit des orphelins, oui. soit des militaires. Et Menton était surtout une ville pour le rétablissement de ces jeunes gens, pour le repos. Beaucoup parmi eux étaient malades. Alors, Menton avait une réputation de ville pour les tuberculeux. Mon grand-père, il est de génération 1897, arrivé à Vorep et fini ses études, obtenu son baccalauréat, il est parti pour Bordeaux. D'accord. Où il a fait ses études, où il a terminé ses études en 1922, et sa thèse de la fin des études était sur la tuberculose en Serbie. Et la tuberculose ? Et donc, je peux vous montrer sa thèse de doctorat qui touche exactement à ce sujet qui est apparemment traité sur place ici à Menton. Alors, voilà la ville. La ville telle que les ont vus les Serbes lorsqu'ils séjournaient à Menton. Oui, oui, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai un dossier familial et je vous montre tout de suite sa thèse de la fin des études, donc la tuberculose en Serbie, par Dr Dragoljub Sretenović, publiée à Bordeaux en 1922. D'accord. Et donc une partie de ces recherche était liée certainement à une analyse de ce qui s'est passé à Menton et comment ces gens étaient soignés. Sachez qu'il y avait une particularité parmi les Serbes qui étaient tuberculeux. Oui. Menton a accueilli à Garavan, un petit quartier oui. où nous allons aller, a accueilli des soldats serbes tuberculeux, mais en plus aveugles. Ah, d'accord. Alors, ils avaient vraiment la totalité, c'est-à-dire que tuberculeux, étrangers en France, et ils étaient aveugles. Ah oui. Donc, voilà, c'est aussi cette particularité qui existait. Si on monte là, on va se retrouver dans la nature, on ne va plus pouvoir marcher, d'accord. parce que c'est étroit. Ici, au-dessous, vous publiez une carte postale de l'époque aussi, où on voit
une classe d'étudiants serbes à Montan, à Villa Iberia. Oui. Et donc, ces Serbes, quand on les voit ici, on voit qu'ils étaient assez satisfaits. Mais comment vous voyez un enfant qui arrive après autant d'épreuves ici, un peu perdu? Est-ce que la vie vraiment était si facile pour ces gens? La vie à Montan. Moi, j'avais l'impression que c'était des épreuves terribles pour eux. Oui, ils ont subi des épreuves terribles, mais à Montan, ça a été un havre de paix. Ils vont pouvoir, à Montan, revivre. C'est un territoire qui est en paix. Il n'y a pas de guerre. Même si Menton a subi la guerre de 14 parce que son industrie hôtelière va être complètement sabordée, néanmoins, la vie, elle est belle. Il y a des palmiers, il y a du soleil. Les enfants descendaient, la mère venait ici, jusqu'au pied de l'hôtel. Ils pouvaient se reposer. Ils pouvaient se reposer. Le climat, vous le connaissez, le climat de la Côte d'Azur est exceptionnel. Ouais. Les orphelins qui étaient dans l'ensemble, tous les Serbes qui sont venus à Menton ont eu un traitement exceptionnel, humain, et puis qui les a remis sur pied. Groblje u Montanu čuva uspomenu na mnogobrojne stradale u Prvom svjetskom ratu. Jean-Claude Volpi će objasniti našem istoričaru Stanislavu Sretenoviću zašto je ovo groblje važno za priču o srpskim đacima. C'était l'endroit où étaient vos grands-parents, vos compatriotes. C'était ici, avec, vous voyez la différence, les tombes de l'époque et les tombes actuelles. Et nous avons toute la vieille ville, et c'est dans cette cité que les Serbes ont été accueillis et qui ont pu avoir un répit dans cette vie d'errance de réfugiés. C'est paradisiaque et ça montre combien les Français de cette époque et les Mentonais spécialement de cette époque avaient accueilli les Serbes et avec quel amour et respect ils les ont enterrés dans un lieu si important. J'ajouterai néanmoins que le financement, puisqu'il faut quand même parler d'un financement, le financement était américain. Ah oui. Est-ce que ça passait peut-être à travers la Croix-Rouge américaine? N'oublions pas que Menton aussi était à l'agonie financière, n'avait pas d'argent pour recevoir encore plus de réfugiés que ce qu'elle avait déjà. Oui. Donc, heureusement que nous avions ici à Menton quelques ressortissants américains. Et d'ailleurs, je vais vous amener devant une tombe, qui est ce sont des personnes qui par leur action, ont permis d'avoir un financement de l'accueil des Serbes à Menton. Oui, bien sûr. Sans cet apport de ces personnes-là et de ce financement américain, il n'y aurait pas pu y avoir cette aura. Là, c'est la tombe de monsieur et de madame Whitney. Ouais. Monsieur Whitney était un Américain, un industriel américain, qui avait épousé une Française, madame Jeanne Whitney. Et grâce à leur action en 1916 et leur action au niveau de l'Amérique, a pu amener un financement avec Gabriel Anoto, qui habitait Roquebrune, qui était un ministre et un académicien. Ils ont réussi à trouver le financement aux États-Unis qui a subvenu à tous les besoins des étudiants ou des orphelins serbes à Menton.
U turbulentnim godinama sredine Prvog svjetskog rata Nica je bilo mjesto u kojem je smještena gimnazija za izbjegle srpske đake. Mihajlo S. Petrović, đak koleža Šampolion u Fižaku, 15. jun 1917. godine. Francuskoj. Spasla si nas iz albanskih gora, gde luta smo po snegu bez hleba. Prenela nas preko sinjeg mora i dala nam sve što god nam treba. Iznemogle tako od umora, ti nas uze ispod svoga neba. Materinske nege i odmora, ti nam dade, zahvalit ti treba. Ti nas voliš kao majka mila, što se s nama davno rastavila i ostala ispod svoga krova. Druga si nam sad ti, majka mila, što od smrti nas si izbavila. Zato hvala, otadžbino nova. Ti nas tešiš, ti nam blažiš tugu, ti nam dade milu majku drugu. Zato hvala, otadžbino nova. Stanislav će u Nici upoznati lokalnog istoričara Ivare Vesta, koji je u arhivama pronašao zapise o srpskim đacima. Pourquoi mon grand-père n'était pas mobilisé une fois fini son école à Voreppe et pourquoi il n'a pas été envoyé à Josier dans le bataillon serbe? Nous n'avons pas trouvé les critères de sélection de ces jeunes Serbes. Ce que nous savons, c'est que la plupart étaient issus des écoles de l'Isère, de Voreppe et de Viriville. De même que certains étaient déjà installés dans une petite commune des Hautes-Alpes qui s'appelle Mont-Dauphin. Après plusieurs difficultés, je dirais, administratives, parce que accueillir un groupe de 300 jeunes gens n'était pas une chose facile pendant la guerre, mais pour cela, le député local de la circonscription, M. André Honorat, a bien aidé aussi bien les autorités politiques que militaires à constituer cette future école. Cette formation n'avait absolument aucun caractère privé, à savoir que les lieux qui avaient été choisis étaient, c'était une caserne. Il y avait le 157e régiment d'infanterie alpine qui occupait cette caserne. Plusieurs centaines de chasseurs, ce qu'on appellerait des chasseurs alpins aujourd'hui, qui ont quitté les lieux dès la mobilisation au mois d'août 1916, si bien que les locaux étaient vides et au grand désespoir des commerçants du pays qui vivaient de la présence de ces militaires. Donc ce sont les autorités préfectorales qui ont eu en charge tout ce qui est intendance sur le plan logement et nourriture de ces jeunes gens. De mes archives, j'ai retrouvé ces deux documents que je vais vous remettre. Ah oui. Alors celle-ci représente une photo de classe de ces étudiants à Josier. D'accord. Avec l'instituteur, je suppose, qui est venant de votre pays. De Serbie, oui. Et puis une reproduction d'une carte postale où l'affranchissement est fait par l'école militaire. J'entends sur le plan universitaire et formation militaire. Bon, il faut reconnaître qu'il était très chargé. Je crois savoir que les journées étaient de 6h du matin jusqu'à au moins 18h le soir pour les études. À notre connaissance, ces jeunes gens n'avaient de libre que le jeudi après-midi et le dimanche. La plupart du temps étaient occupés ces moments de, disons, hors universitaire par des cérémonies
plus ou moins officielles, telles que des défilés dans la ville de Barcelonnette, des commémorations, telles que la fête du 14 juillet a été fêtée par ses élèves, par la fête de la Saint-Sava en hiver 1917. Et je suppose aussi quelques visites à la sous-préfecture locale, mais je crois savoir que les distractions étaient assez rares. Ouais. Alors les jeunes gens organisaient des tours de chant, du théâtre à l'intérieur et participaient à des manifestations civiles de la ville. On trouve la présence, mais ponctuellement, d'un pop qui était basé à Mont-Dauphin. Hein, Mont-Dauphin, c'est une petite commune voisine. Et ils venaient chez eux. Ils venaient chez eux, je suppose, dire les offices religieux. De même que les jeunes Serbes ont participé, je suppose, plusieurs fois, mais enfin, nous avons pour le moins le témoignage d'une présence à un office catholique en l'église de Barcelonnette. Où ils animaient, ils faisaient partie de la chorale et qui avait été très appréciée par les gens du pays. Les professeurs du français étaient donc des Français. Absolument. Alors je ne sais pas si nous l'avons évoqué, mais l'encadrement était constitué d'une part d'officiers serbes pour la formation militaire, d'universitaires serbes qui venaient de différentes villes de Serbie, et d'autre part un groupe de 10 professeurs français avait été nommé par l'instruction publique pour apprendre à ces jeunes gens, pour leur enseigner le français ainsi que l'histoire de France. Ce qu'il se dit, et qui était sûrement vrai, c'est que les jeunes gens avaient une facilité remarquable et ont très rapidement appris le français. Si bien que pour ceux qui ont réussi le baccalauréat, et c'est une grande majorité, et la formation de Josier a été exemplaire de ce côté-là, en ce sens que le taux de réussite a été très important. Suite à leur baccalauréat, ou disons l'équivalent du le baccalauréat serbe, ces jeunes gens ont été admis dans les universités françaises. Cette histoire de la génération des générations dont vous parlez à la fin, née à la fin du 19e siècle et qui n'avait pas des baccalauréats, posait beaucoup de problèmes au sein du gouvernement serbe. Les Français, me semble-t-il, étaient un peu à part de cette discussion interne serbe. Nous avons trouvé dans ces informations beaucoup de courriers qui étaient échangés entre la direction des études, je parle côté français, entre la direction des études, le ministère, à l'époque ça s'appelait de l'instruction publique, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'éducation nationale. Aussi, nous avons trouvé des documents administratifs qui concernent des courriers du sous-préfet des Basses-Alpes, de même que du préfet, qui s'adressait là au ministère de l'Intérieur ou au ministère de la Guerre. Eh bien, je pense que là, l'explication est plutôt du côté serbe. Là, les Français n'avaient pas droit au chapitre. Parce que les Serbes investissaient. Absolument. Et là, dans je pense que s'il y a eu difficulté, c'est entre ce qu'on appellerait les autorités scolaires et universitaires serbes et les autorités militaires serbes. Et il semblerait que c'est le côté universitaire qui l'a emporté, c'est-à-dire on a préféré que ces jeunes gens poursuivent leurs études en France plutôt que les envoyer via Bizerte à nouveau en direction de Salonique pour se battre avec l'armée d'Orient. En novembre 1917, l'école a fermé. À un moment, on s'est posé la question, est-ce qu'on reconduit pour des classes des années 1898 et au-delà? Mais il a été décidé que le choix de la ville n'était pas propice à un tempérament étudiant et l'école, le bataillon a dû fermer. Donc à cette époque-là, les étudiants qui sont sortis de cette école ont été conduits vers des universités eu égard à leur spécialité, au commerce. Par exemple, une école de commerce à Aix, du droit à Caen, de médecine à Bordeaux, d'autres à Lyon, d'autres en région parisienne.
S obzirom da je njegov deda nastavio školovanje u Bordeauxu, Stanislav napušta Nicu i upućuje se ka zapadnoj obali Francuske u želji da otkrije tragove školovanja naših đaka i studenata jedan vek kasnije.